Bon, Yasuo, Zac, pas censé trop pouvoir jouer la game. C'est la game de chauffe. On va voir, de toute façon, je pense qu'on va se faire camper. On va essayer de damage la wave. Dommage, on aurait pu faire proc auto juste avant le... Juste avant son shield. Faut que j'arrive à stacker les rubans de mana. Il va passer level 2. Après là, s'il me trade dans la wave, on est gagnant, je pense. Ward bot side. À l'opposé de Nocturne. Il va passer level 3 avant. Level 3, je peux pas faire grand chose. S'il prend le wall et qu'il joue correctement, on met son shield. Intéressant. Les trades. Il a ward à l'opposé. Nocturne est pas mal. Ok, pas très smart. On va reset. On n'a pas de prix au bot, je peux pas trop l'aider. On lui met un petit shield pour dire de. On fait ça. Ça me fait chier, mais c'est le meilleur back que j'ai à faire. Je vais préférer avancer vers mon chapter parce que là je dois refaire un bac à 1300 gold quoi. Il n'y a pas de flash mid, c'est des free gank, il a juste à le flash in et à le fear, on le tue. Agréable. Une pote. Il a ward le side où est Nocturne. Je pense que Zac sera là en counter.
Fine. Je ne sais pas trop ce que fait ce monsieur. Il va juste mourir sur Yasuo. Tout se passait bien. Il a fallu qu'il vienne run down mid. Surtout qu'on les voit en plus. Je sais pas ce qu'il fait. Du coup, ils ont un Drake. Père full CS. Le chat. Il va perdre un creep. Le canon va tanker le reste, mais c'est fine. Ça me permet d'aller mettre de la vision. Nocturne est feed, donc il y a des choses à faire avec ça. Sur topside. Il a perdu le canon. Ah, la plate va... Non, elle va pas tomber. On va faire gaffe, hein, il est 6 maintenant. J'avais mis mon E en pensant qu'il allait flash, mais... Je vais R pour ça, je vais prendre les 100 gold de la plate en espérant que Zac soit pas là pour me E. Juste prendre une auto. Voilà, il est bot. Ah bah ici. Okay. Farming, c'est pas trop ça, mais forcément, il y a 3 personnes sur ma lane depuis la minute 3. Compliqué de faire quelque chose. Je vais reset pour me remettre bien. Il a ignite. On va le faire. Nocturne est 6, il peut le tuer solo. Vas-y, tue-le. Tue-le. Pas le solo kill. Encore. Faire attention à Zac. Il sort seulement de la base. Je pense que j'ai la plate. Et le 7 se fout un peu de notre gueule. Hein.
Fuck. Je vais voir de là, vu que je sais pas trop où est Zach. On va reset avec les bots. Je pense que je fais les bots CDR. Ouais. Les bots CDR, c'est pas mal. C'est pas comme Vel'Koz où je peux faire Cosmic et je veux faire Horizon Abaddon sur Luxon. Ouais. Surtout contre la compo en face où il y a... Gros teamfight, revive avec Zilean et tout. Si j'arrive à burst les mecs sans que le Zilean appuie sur R ou quoi, c'est pas mal. Du coup, j'ai besoin de Ace. Nice, il nous a les Fléral. Et le passif, si on arrive à l'avoir. Eh ben. Compliqué tout ça. Il va dash. De mana avec le proc de Lost Chapter. Récupère le R. Not bad. Avant de la pote sur Saiming. Ok, Nocturne est fed, Garen est bien aussi. Il y a quand même 2-0 sur Kalissa, elle tient bien, à part juste le set qui rendonne un peu, mais on est pas mal. Ça serait bien qu'on commence à s'intéresser un peu au Drake potentiellement. C'est le seul vent de la game, j'aimerais bien l'avoir. Il n'y a pas de passif sur Zac, donc je pense qu'on est même un peu plus fort. Il est bot, on a le counter gank potentiellement. Chercher Luden, je vais mettre un coup de R sur cette wave. Sur Horizon, 3K gold. Ça va le faire. C'est qui a le shutdown du Nocturne? C'est Tristana. Pas ouf. Hein.
Break, j'ai 30 secondes de CD sur mon R. Toutes les waves, je peux mettre un R potentiellement. Ça allait me solo le bleu. Ah, c'est dur, l'autre en deux. Mon E, c'était vraiment une honte. Et il a push quand même une wave au mine. Pas grand chose à faire. Je savais qu'il avait push la wave, mais je pensais pas qu'il était en train d'attendre dans le bush. Mais c'est vrai qu'il a Immortal Shilbo, ça le régène beaucoup. My bad. Ternator. Parti mine. War topside pour Zach. Well play. On sait pas trop où est Zach. Hein. On a eu le R de... Zillian, c'est toujours ça? Je pense que je vais chercher grosse baguette. On va revendre Doran. Là, c'est le timing où j'aime pas trop jouer des mages. Tout le monde groupe mid. Je perds beaucoup d'XP et tout, mais bon. Ça va le faire, ça dépend de comment joue le Yasuo en face. Voilà, il va les bots. Après, j'ai Nocturne qui peut m'aider, donc c'est fin. Il a déjà le R là. Ils vont groupe pour Drake.
Il est FK le Zac, je crois, non? Ici, Kayle. Bon, ouais. Il est en air, c'est vrai. Donc il me le liche si possible. Merci pour ça. Un tout petit peu pour une road. C'est pas bon, il manque encore un tout petit peu. On va prendre ça. C'est grave. Attends, la 428 de Constant? Attends, en Constant, elle a 30 voire 40 MS de plus que moi? Elle est à 428 parce qu'elle avait pris une Corrupting. Ok. J'aurais pas du flash du coup. Il veut pas, hein. Ah, il veut reset peut-être. Mais bad sur le Zilean. Ouais, ils ont back. Ils ont back. Il y a un Drake dans 50. C'est Pink. Hein. Elle a jump in. Déjà le R. J'ai plus assez de mana pour un full combo. Et du coup j'ai pas les gold pour mon... pour mon back. Tant pis, hein, on va jouer avec un K gold sur nous pour le Drake. C'est fine, on est bientôt 16, mon R passera à moins de 20 secondes.
Enfin, 20 secondes et quelques. 22, je pense. Ok, faire gaffonnage quand même, chercher mon la baguette. Oh, un Morello. On n'a pas d'anti-heal dans la team. Kayle, Zac, Yasuo, Conqueror, Shilbo. Ok. Faut enlever la pink ici. Oh non, Gwen, Gwen. Gwen, Gwen. On peut finir la game. Nocturne était bon. Et Yasuo faisait beaucoup d'erreurs.